Et re-YouTube. Allez, c'est parti, on continue. Du coup, ouais, on en était là. Donc tout se passait bien, il n'y avait pas de soucis. Le bois, par contre, il va nous falloir un petit hangar. Mais encore une fois, c'est des ressources qui vont très vite disparaître quand on va lancer les automates. Hein. Il y a eu un mort là? Je me souviens plus. Ou alors on était. Oh, pas grave. Petit dépôt de ressources. Et on va mettre un petit 49.3 là. Allez hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Du chauffage ou des ressources? On a pas mal de ressources. Moi, j'investirais bien tout de suite dans la machine différentielle, au moins ça serait fait. Les maisons aussi, ouais, les maisons, parce que là, du coup, la température va baisser drastiquement. Refus de travailler. C'est. Connaissent pas le 49.3, hein. Un homme affecté à une rotation d'urgence refuse de travailler. Il dit qu'il est épuisé et qu'il ne va pas terminer comme l'un de ses amis. On va le laisser se reposer parce que s'il nous claque entre les pattes. On va vite manquer de personnel à ce rythme-là. Il va nous falloir aussi une équipe supplémentaire ou les traîneaux ou quelque chose, hein, parce que là, niveau... je sais pas où en est la tempête. Mais alors, nos recherches n'ont rien donné, super. Mais à partir d'ici, nous pouvons peut-être atteindre des zones plus prometteuses. Okay. Oh putain, encore. Oh là 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 là. Là, c'est une catastrophe, hein, parce que tant que mes équipes reviennent pas, et si je fais un aller-retour, franchement, ça va me prendre tellement de temps. Alors. Est-ce qu'il va revenir travailler un jour là mon gars là? C'est bon, il a pas assez dormi? Est-ce qu'on commencerait pas à faire les puissances de générateur et compagnie? Ça dit quoi ça? Rationalisation des automates. Coûtera 20 bois et 20 d'acier en moins, ça c'est pas dégueu. Cela améliore l'intégration des automates au lieu de travailler. Au lieu de travail, augmentant ainsi leur efficacité de 10%. Bon, on va faire ça, ça va nous récupérer les 10% qu'on a perdu au début. Hein. Ouais, vas-y. Interdit. Un amputé. Attends, je peux faire une prothèse là? On va faire une prothèse. Allez, faites-moi une prothèse. Explorer. Nos recherches n'ont rien donné, mais à partir d'ici, nous pouvons peut-être atteindre des zones plus prometteuses. Bah, décidément. Allez. Ok. Et mon prothésiste, là, un amputé, là, hein, il va prendre la prothèse, il va se remettre à bosser ou comment ça se passe? Niveau bois, on est full. Non, pas charbon, bois. Automate coincé. Capitaine, un automate est coincé dans le bâtiment auquel il est affecté. Nous ne pouvons pas le libérer sans démanteler partiellement l'un ou l'autre. Cela signifie que nous devons désactiver l'automate ou fermer le bâtiment. On va désactiver l'automate. Non, putain, c'est le bâtiment que j'aurais dû. Bon. C'est pas grave. On va mettre eux là. Tant pis. Heures supplémentaires contre nourriture. Nos habitants sont de moins en moins concentrés sur leur travail. Peut-être devrions-nous leur donner des rations supplémentaires alors qu'ils se tuent à la tâche lors des rotations. Oui, ils le méritent. Et mon amputé là, toujours pas, hein. Il n'y avait pas une loi prothèse machin là? S'il existe un moyen de rendre les amputés de nouveau aptes au travail, nous devrions les employer. Ah oui, mais ma prothèse est déjà partie. On va refaire une prothèse, hein. Tant pis. Hein. Hop, allez en avant.
Ok, mes automates seront plus productifs. Ça, c'est bon. On va faire la machine différentielle. Allez. Au moins, en plus, ça diminue un peu nos ressources et tout. Donc... Par contre, notre charbon, là, commence à diminuer drastiquement. Gros camion. Les générateurs furent construits grâce à des géants à vapeur comme celui-ci. Et leur capacité à transporter les cargaisons à travers les contrées gelées. Quel dommage qu'ils ne puissent pas être réparés. Très bien. Un noyau de vapeur supplémentaire. Ouais, on va mettre un 49.3, hein. Et paf. On a un ingénieur, ça y est, c'est le mec qui est reposé, c'est ça? Hop. Hop. Ok. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi, mettre qu'un seul médecin. Un seul médecin, ça pourrait être pas mal. Par contre, il va nous falloir du charbon très vite. Donc on va faire les recharges de charbon. Explorer. Nous avons découvert plusieurs caisses remplies de ressources cachées sous la neige. Impossible de savoir qui les a laissées ici. Ok, 42 de food, on prend. Ok, encore un... Ah bah c'est le Prothesman. Ouais, c'est Prothesman. Ok. Ouais, niveau charbon, là, ça va commencer à devenir très compliqué. Donc, vite, ressources, charbon, mine de charbon à vapeur. Ah ouais, mais en fait, on l'a, hein. C'est juste que... Ok, optimisation du charbon... Il est toujours que niveau 1, mon réacteur. Ici, on a quoi? Ah, ça y est, il est réparé. Ok, on va mettre l'automate. Cache. Et les gens qui font rien, là... C'est vrai qu'on a les maisons aussi. Allez, on va commencer à faire des maisons. En plus, le froid arrive. Nickel. Et là, du coup, on va faire un petit atelier supplémentaire. Allez. Alors, ce cuirassé n'a pas été conçu pour ce type de météo. Il faisait probablement partie des premières expéditions de pionniers datant d'avant le grand hiver. Nous avons découvert des ressources inestimables. Au niveau noyau, là, on est blindax, hein. Donc, quand ça va revenir, là, on va construire à toc, hein. Alors, machine inestimable. Ce matériel devait appartenir aux prospecteurs et aux explorateurs arrivés ici avant nous. Une partie a été tordue et écrasée par les mouvements de la glace. Nous avons trouvé beaucoup de choses utilisables. Ok, encore des noyaux de vapeur. Et là, c'est bon aussi. Oh là là là. Oh, ça va être quelque chose. Hein. Et je me demande même si on fait pas une deuxième usine et en avant. Hein, parce que je pense qu'on va faire ça. Hein. Ressources. Attends, ça coûte quoi une usine? Ressources? Non? Technologie? Ouais. Oh purée, ça coûte un noyau. Oh la haine. Ok, charbonnage c'est bon. Maintenant, radiateur avancé. Parce que là, ouais, c'est activé et c'est en train de geler quand même. Les températures vont remonter, ce qui est une bonne nouvelle. On n'a pas de, ouais, c'est bon. Les températures vont remonter, mais. Mieux vaut prévenir que guérir. Engelure sévère. Pourquoi est-ce qu'il y a des engelures? Il n'y a personne qui bosse là-bas. Ils ont tous le chauffage.
L'un des nôtres a dû être amputé à force de travailler dans ce froid. Cette personne s'est retrouvée avec une grave engelure. Nous n'avions pas d'autre choix. Je vois. S'il est amputé, on va faire une prothèse, hein. On va faire une prothèse. Avant, hein. Alors, efficacité des radiateurs, puissance du générateur, efficacité des foyers. On va faire les mines de charbon. Allez hop. Parce que là, niveau charbon, franchement, ça va être la galère. Donc, niveau froid, en tout cas, dans les maisons, ça va. Ici, ça remonte. Oh, ça, c'est cool. Quand les températures vont remonter, on va pouvoir couper le chauffage. Ah, 9 noyaux à vapeur. Oh là 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 là, ça va être quelque chose de bon, ça. On va faire la prothèse en premier. Du coup, là, il n'y a plus rien à visiter pour le moment, en tout cas. Ok, ça me va. Donc là, c'est parti, hein. Ressources, mine de charbon à vapeur. Allez, go. Ah, on est plein en acier et tout y quanti là. Ok. Dépôt de ressources. Allez, dépôt de ressources. Ici, il va falloir commencer à travailler sec. Sinon, on est bon à peu près partout. Neuf noyaux supplémentaires et des tonnes de ressources. Ah, ça, c'est bon, ça. Ok. Alors, on va couper le chauffage, hein. Ouais, c'est bon, pas déconner. Ouais. Parce que là, même si notre système de santé est pas dingue, normalement, froid, ça va. Ok. Une silhouette au loin. Nous avons remarqué à l'horizon un point noir qui se rapproche petit à petit. Il est possible qu'il s'agisse d'un survivant. Ok. Allez, tu vas aller le chercher. Comme ça ira plus vite. Ici, acier. Oh là là, je suis encore plein. Ah, mes serres gèlent quand même. Ah oui, d'accord. Enfin, on va remettre le chauffage dans les serres, hein. Alors, prototypage automatique, c'est bon. Donc, mine de charbon. Allez, go. Ici, il n'y a plus rien. Donc, on va mettre. On va mettre au moins 7. Hein. Allez. Est-ce qu'un automate. Non, un automate ne peut pas construire d'automate. C'est dommage! Un ouvrier. Hein. Ok, la nouvelle Manchester. Appel à l'aide. Un homme épuisé et terriblement transi par le froid est arrivé aux portes de la ville avec une histoire poignante. Il prétend venir d'une ville voisine, la nouvelle Manchester, qui abrite principalement des ouvriers et leurs familles. Leurs ressources s'épuisent et ils seraient au plus mal. Craignant la tempête qui s'annonce, ils ont envoyé des éclaireurs chercher de l'aide. Cet homme est le seul survivant et nous supplie d'aider les siens. Ok, nous devons en apprendre plus. Sauvez le messager. L'homme est venu de la nouvelle Manchester et dans un état critique. Si nous ne le secourons pas au plus vite, il mourra. Il
est sans doute notre seule chance d'en apprendre un peu plus sur cette autre ville. Bon. On va essayer de le sauver. Allez, on va envoyer les deux. Hop. Ici, on va mettre de l'acier. Oh, attendez. Un petit 49-3 là. Allez. Aidez à tout prix. Capitaine, nos habitants sont inquiets. Ils disent qu'avec la tempête qui approche, nous n'allons pas réussir à aider la nouvelle Manchester, en plus de poursuivre notre mission. Ils comprennent que la décision est difficile, mais ils veulent savoir quelle sera notre priorité quand le moment de choisir sera venu. On peut pas les abandonner. On n'est pas des monstres. Je peux mettre un automate médical, hein. Ça serait peut-être pas déconnant en fait. Hein. Ça serait pas déconnant, mais. Je mets où mes mecs? Ah non, tant pis, on laisse comme ça. Ici on va mettre du bois, ici on va mettre des rations. Là on mettra des vivres crus et on va en construire encore un petit peu. Voilà. Ok, automate construit. Un soin palliatif. Notre automate, du coup, le second, on va le mettre là. On veut du charbon à tout prix. Ici, on est quoi? Mine de charbon à vapeur. Est-ce qu'on a lancé la... Ouais, petit 49-3. La ville est autonome. Beau travail. Les arches de semences sont désormais entretenues convenablement par les automates. Les opérations critiques sont assurées et il nous reste du temps avant l'arrivée de la tempête. Si nous voulons avoir une chance de survivre, nous devons faire autant de réserves que possible. Je suis d'accord. Donc ici, vivre cru, en attente, du bois. Nous avons trouvé les corps des autres membres de l'expédition de la nouvelle Manchester. Ils n'étaient clairement pas équipés pour ces températures. Il est incroyable que l'un d'eux soit parvenu jusqu'à notre ville. Okay. Du coup, on va continuer notre périple. Hein. Il va falloir faire aussi... des recharges dans le médical, ça va commencer à se voir. Allez hop, encore un automate, nickel. On va enlever l'acier. Et ce qu'on va faire, nourriture, serre chauffée, on va faire une deuxième serre. Et en même temps, on va faire un petit peu des recherches plus rapidement. 8 à 5, c'est bon. Allez, en avant. Charbon. Oh, il pleut de l'automate. Du coup, effectivement, ça, on peut l'enlever. Et là, on peut mettre un automate. Ok. Donc ici, tout travaille, tout est bon. C'est quoi ça? À vapeur? Il n'y avait pas plus gros? Je sais plus. Il n'y avait pas plus gros? Vapeur? Ressources. Ouais, assuré avancé, il est plus gros. Mais il y a aussi la station de forage à vapeur. Ah, il nous faut absolument la station de forage à vapeur. Ok. Traîneau d'éclaireur, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, hein. Je pense pas. On va faire l'amélioration des postes médicaux, ça va aller vite. Ok.
vous en reste combien là encore? 3 en construction? Pas mal. Mine de charbon avancée. On veut la mine de charbon avancée. Noyau de vapeur, ok. Ce véhicule appartenait aux membres d'une expédition de la Nouvelle-Manchester. Il était de toute évidence trop lourd pour la couche de glace sous ses roues. Ses passagers ont couru au suicide. Un seul noyau de vapeur. Voilà. Donc un ici et un par là. Donc on a des gens et on a un automate. Mais du coup l'automate il va aller là. Les gens, bon ben non, en vrai, il n'y a plus besoin de. On va faire de l'atelier. Hein. Allez, let's go. Ok, les postes médicaux, ça c'est bon. Ça produit combien de l'heure? 30 vivres par jour et ça 60. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ah ouais, ça coûte carrément plus cher. Ouais, du coup, je préfère faire 10 et réchauffer quoi. Parce que en gros, la seule économie, c'est en termes de personnel. Mais bon, en soi, on a ce qu'il faut. Ouais, on a ce qu'il faut. Hein. Station de forage. Allez. Allez, boum. Encore un. Un automate ou pas? Ouais. Un automate. Ici. Un automate. Voilà, on voit, on est tellement bien. Il en reste encore en construction, ouais, deux. Bon, on va être large. Hein. Ok. Et là, il y a un automate qui travaille. Oui. Ici. Paf. Paf. Ah, ça va envoyer des recherches là, hein, moi je vous le dis. Hein. Charbon. Ration. Et charbon. Et 49.3. Merci Macron. Alors. Hop, en avant. Explorer. Après quelques efforts, nous avons pu retirer les caisses de ressources de la neige. Nous allons pouvoir les utiliser à bon escient. Et du coup, bon bah là, hein, qu'est-ce que je te dis moi? Station de forage à vapeur, parfait. On va aller la construire tout de suite, avant de ne plus avoir de noyau. Bon, niveau bouffe, on est pas mal. Noyau, ok. Nouvelle recherche. Charbon, c'est bon. C'est quoi la sélection des serres? Faut pas le savoir avant de la faire, enfin avant d'y accéder. Isolation des bâtiments de santé, cantine. On va faire un peu d'isolation. Hein. On sera jamais perdu. Hein. Allez, isolation de cantine. Nous distinguons la nouvelle Manchester. Alléluia. Des filets de fumée s'élèvent dans son ciel, ce qui signifie qu'elle est encore habitée. Nous devons les rejoindre au plus vite. Bien. Nouvelle Manchester. Et eux, ils vont aller. Non. Vous. Nouvelle Manchester. Et vous. Ici.
Donc là, on est quand même sur de la production H24 normalement sur toutes les ressources avec tous les automates. Hein. Et il va falloir commencer à faire des. Oh, bah, on a fait hein, de toute façon l'isolation, tout ça c'est en cours. Hein. Isolation des cantines, c'est bon. Isolation des maisons en avant. Oh, ok. Donc là, on n'a plus rien. Alors, du coup, il nous reste 5 noyaux. Qu'est-ce qu'on va faire avec 5 noyaux? Sachant que ça, c'est amélioré au max. Je peux faire la foreuse machin là, niveau 3. Donc, un noyau. On peut faire de la boostify supplémentaire. On va faire de la boostify supplémentaire. On n'a jamais assez de bouffe dans le jeu, de toute façon. Ah, Assyrie à vapeur. C'est pas ce que j'ai là? Si. Et boostify, on a dit. Nourriture. Serre chauffée. Une. Et c'est tout. Ok. On a un mec en soins palliatifs. Okay. Pénurie de ressources. Les ressources commencent à nous manquer. Or, nos besoins sont importants et ne cessent d'augmenter. Nous pourrions remédier au problème en faisant passer une loi qui allongerait la durée de journée de travail. Ah, mais non, parce que je l'ai déjà fait. Charbon. La nouvelle Manchester, une ville à l'agonie. La faible lueur d'un piètre générateur éclaire tant bien que mal le bidonville qui l'entoure. Il y a tellement de monde ici, bien trop. Tous ont l'air malades et dénutris. La plupart d'entre eux n'ont même pas de toit. Rien ne peut les sauver de la tempête à part nous. On va essayer de les sauver. Donc, 10 jours avant la tempête. Nous avons trouvé la nouvelle Manchester. Ses habitants manquent de presque tout, ce qui est vital pour survivre. Nous pouvons essayer de les aider, mais seuls les automates seront en mesure de leur apporter des provisions à travers le désert blanc. Si nous voulons leur permettre de survivre à la tempête, il leur faudra tout d'abord des matériaux de construction, à savoir du bois et de l'acier pour construire des abris. Faut donner quoi? Oh putain! 600 de bois, 600 d'acier. Bah, il y a ça. Eh, mais lui, Oh! Capitaine, nous avons pu sauver la vie du survivant de la nouvelle Manchester. Il nous est reconnaissant, même s'il a fallu lui amputer la jambe. Ok. Donc, il va falloir une prothèse. Super. Ok. Une prothèse. Un automate ici. Et ça, il faut vraiment que qu'il se passe quelque chose là. Parce que moi là, j'ai plus de bois, ça commence à devenir catastrophique. Hein. D'ailleurs, on va faire ça autrement. Hein. Est-ce que je mets des péons là-dedans? Parce que en vrai, là, ça commence à devenir dur. Hein. Nouveau point de repère. Ok, c'est encore rien trouvé, mais il trouve. Ouais, bon, enfin bref, y a rien à explorer, mais. Okay. Toi, tu vas là. Toi, tu vas aller ici. Parfait. Donc le charbon, ça devrait le faire. Par contre, le reste, au secours. Hein. Surtout le bois, là, c'est. Ah ben, si. Attendez. On va faire ça. Hein. Allez. Faire une nouvelle recherche, on va mettre puissance du générateur. Allez, il en reste combien du bois ici? 500. Il va me falloir l'isolation des serres aussi. Ouais.
Donc ça c'est bon. Ça commence à devenir complexe là. Isolation des serres. Ouais, c'est fait pourtant. On va en faire le 2. Hein. Par contre, on va baisser de 1 niveau, enfin des économies de charbon. Après, il y a des trucs aussi pour transformer le charbon en... Non, bah non, c'est le bois en charbon. Mon Dieu! Ressources, dépôt de ressources. Allez, allez. Il y avait sûrement un avant-poste ici, il y a plusieurs années. Il ne reste plus que cette scierie gelée à présent. Ok, du bois. Acier et noyau de vapeur. Ce Deathnoth, qui devait appartenir à la nouvelle Manchester, était capable de transporter des centaines de personnes. Il est désormais irrécupérable. Eh bien, avant, on rentre à la Casbah. On a un ouvrier qui fout rien. Non, il est quoi? Il est amputé? Non. Oh non, mais ouais, ok. Pff, le mec, il sert à rien. On va le mettre là-dedans, quoi. Allez, les températures gèlent. Ça baisse. Ici, de toute façon, on va. Pff, on a plus rien. C'est bon, hein, niveau automate et tout, on est full là. Hein. Niveau automate et tout, normalement on est large. Hein. Oh là là, ils vont se les plaît le. Non, ça va. Isolation des bâtiments de santé. Allez, isolation des bâtiments de santé. C'est bon, y a rien qui gèle. Ok. Ça va vite, hein? Ado. Isolation des bâtiments de santé 2. Un peu de chauffage peut-être. Efficacité des foyers à vapeur, efficacité du générateur. 10% de charbon en moins dans le conso, on prend. Alors vivement qu'on ait le métal et tout ce qu'il faut là, enfin le bois surtout, 134 de bois, 3, ouais, on est large. Ok. Ok, c'est bon. Donc là, on peut envoyer à la nouvelle Manchester. Pas du tout, c'est 600. Tu ramènes quoi toi? Ah ouais! Toi, t'es bon toi. Alors, un automate. Où est-ce qu'on va trouver un automate? C'est dur de trouver un automate. Ah oui, attendez, on va faire ça là. Avant d'envoyer. Avant d'oublier d'envoyer. Je devrais peut-être faire la recherche. Oh non. On va faire ça. Allez hop, un petit 49.3 là. On va faire la recherche sur les 10% de. Parce que là. Sur les 10% de stockage. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Est-ce qu'on prendrait pas? Non. La bouffe, non. Ça, on veut plus en construire. Hein. En vrai, on en a eu. On a déjà une chier, quoi. Vas-y, on va en construire un. Toi tu tombes bas, hein. Allez hop.
C'est parti, mon kiki. Et du coup, là, ce que je peux faire aussi, c'est dissoudre. Dissoudre. Ok. Et du coup, ce qui... Ok, déjà, ici, 5. Et ici, 5, là. Ouais, allez, hop. Optimisation. Nourriture pour le nouvel Manchester. Maintenant qu'ils ont des abris corrects, leur besoin le plus urgent est l'alimentaire. La faim les a poussés à de terribles extrémités, que Dieu nous pardonne. Rassembler suffisamment de rations et envoyer des automates les apporter à la nouvelle Manchester. Ok, ils veulent quoi? 2 automates et 2000 rations. Rien que ça, quoi. La population se dresse contre vous. Bah, dis donc. Les ingénieurs inquiets sont revenus. Ils prétendent que l'envoi des provisions vers la nouvelle Manchester compromet notre mission. Nous sommes venus dans le but de donner nos vies pour la renaissance de la Terre. Il n'est pas question d'abandonner maintenant. Montrez-nous que vous comprenez l'importance de notre mission. Moi, je vais te le montrer, je vais les aider. T'as 2000 de bouffe, hein, quand même. Ok, alors je voulais améliorer un truc, là j'y pensais, mais je ne sais absolument plus quoi. Ressources. Ah oui, bah oui. Les dépôts de ressources. Les dépôts de ressources pour en stocker 50% de ressources en plus. Ça c'est pas mal. Du coup, charbon, ration. Ration. Oh, ça fait tellement plaisir en vrai. Alors, station de forage. Non, assuré avant. Ah, c'est vrai que là, les deux pourraient être bien. Mais il y a aussi ça qu'il faut que je fasse. Oh, c'est trop. Assiré avancé ou station de fin. Alors après, le problème aussi, c'est que ils mettent 10 ans à les construire, quoi. Isolation de bâtiment de santé. Ou je continue l'isolation. Oh, allez, vas-y, on va faire ça. On va faire ça, le métal. Ok, un nouvel automate construit. Parfait, il va aller ici. Ah oui, vous voulez des automates, non? Ah ouais, deux automates. Ah, enfin, j'ai plus de quoi construire de toute façon. Donc, s'il te plaît. Je n'ai clairement plus de quoi en construire de toute façon. Petit 24 heures, toi aussi. Hein. C'est pas le moment de faiblir là. Ok, station de forage avancée, c'est bon, donc la scierie. Station de forage avancée. Et ne mettez pas 10 jours à la construire, s'il vous plaît. On va faire une serre supplémentaire. Nourriture. Serre chauffée. Parce que là, les 2000 rations... Ok. Assyrie avancée. En avant. Là, les 2000 rations, elles avancent pas. Isolation des bâtiments de santé. Ok. Efficacité du générateur ou des foyers à vapeur. Bon, le générateur, hein, vas-y.
Ok. Putain, à niveau charbon, on est pas mal, hein. Peut-être un peu trop investi dans le charbon. Mais bon, j'ai été traumatisé. Ok. Efficacité des radiateurs, bien sûr. Moins de charbon. Ah, ils ont pas mis 3 semaines à la construire. Incroyable. Hop, 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 hop. C'est 49.3 là. Ah, mais attendez. C'est bon, ils sont chez Zephet. Ouais, ouais, est-ce qu'il aurait avancé? Putain, là, on est tout avancé, là, on est tout bon. Efficacité des foyers à vapeur. Oh là, on est si bien. Par contre, les rations. Bon. Efficacité des foyers à vapeur. Ok, super. Puissance du générateur en avant. Ça y est, on les a. Hop, hop. Et il faut 2 automates. Saleté. Est-ce qu'on enverrait pas ces deux-là? Pff, ouais. Tellement huge là. Allez, hop. Est-ce qu'il vous faut autre chose? Là. Les réserves de nourriture que nous leur avons envoyées devraient leur permettre de passer la tempête. Cependant, ils ne survivront pas sans charbon pour leur générateur. Après avoir estimé la quantité qu'il leur serait nécessaire, la situation est inquiétante. Faisons de notre mieux. 6 000 de charbon. Pas de souci. La population proteste. Un groupe de 13 ingénieurs est venu protester contre votre décision. Foutez-les dehors, quoi. Expédiez des provisions. Ouais. Ok, on nous a confié une mission, nous savons bien que les pauvres gens dans le de Manchester mourront si nous ne les secourons pas, mais en les aidant, nous mettons en danger l'avenir de l'humanité, blablabla. Non, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Donc il faut 4 automates et 6 000 de charbon, 4 automates. Waouh. Un. Non. Hop. On va mettre 4 automates ici, et du coup on va leur envoyer... 4 automates et 6 000 de charbon. Allez. 1, 2. 3. 4. Parce qu'on est des déglingos. Paf! Là, on les a aidés de ouf. Hein. On s'est mis en galère nous-mêmes pour ça. Hein. D'ailleurs, ça fabrique quoi ici? Une ration normale? Ben, à partir sur de la soupe, hein, les mecs, hein, je vous le dis. Ah oui, mais si je mets pas de mec là-dedans, ça va pas se construire. Et en plus, vous allez prendre un petit 24 heures, bon, chè. Alors, soutien exprimé, capitaine. Nous avons trouvé une lettre anonyme qui vous est adressée. Je soutiens de tout cœur votre décision d'aider la nouvelle Manchester. Je connais beaucoup d'autres personnes du même avis. Mais qui ne l'admettent qu'en privé, se taisant honteusement devant ceux qui considèrent la compassion comme une faiblesse. Ah, c'est le reflet de la vraie vie, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est la minorité qui parle, qui se fait entendre, alors que c'est la minorité, quoi. Maintenant que la nouvelle Manchester ne court plus de risques majeurs, nous pouvons à nouveau nous concentrer sur notre mission. Les ingénieurs sceptiques sont revenus. Certes, nous n'étions pas d'accord avec vous, mais nous souhaitons tourner la page. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes prêts à multiplier nos efforts afin d'accomplir notre mission. Tiens. Donc il faut du charbon et des rations. Du charbon, mais pour ça, charbon, ration... En vrai, s'il nous faut que du... Ah oui, mais j'ai déjà plus rien ici.
Est-ce que on pourrait pas juste enlever un peu de monde là pour faire des rations parce que tant pis pour les recherches, hein, j'espère que ça sera suffisant, au pire ils bouffront du 49-3. Hein. Parce que là, c'est la PLS. Hein. J'ai fait 4 automates mais j'ai pas le métal qui va avec donc on va se concentrer là-dessus, hein. Charbon et Putain, je me suis mis en PLS tout seul quoi. Charbon, ration, allez c'est parti. De toute façon, on n'a plus de métal. En vrai, ah, il nous reste 5 jours. En vrai, on peut faire ça. Et mettre de l'automate ici. On a fait de la soupe ici. Du coup, aussi l'appareil, hein, l'automate là, hop, ici. Bon, les 8000 de charbon, on va les ravoir sans problème. Donc, on va plutôt partir là-dessus. Ah, les rations, ça va être un vrai problème. Mais bon, il nous reste 5 jours. Ok, c'est bon, tout est arrivé à la Nouvelle Manchester. Oh, les rations, c'est une catastrophe. Aïe, aïe, aïe. Et il y a... Ah bah oui, putain! Abrutiman! Oh, je peux pas faire de 24 heures en plus sur la loose. Est-ce que je peux construire une deuxième usine? Ah ouais. On va faire ça. Hein. Voiture, machin, couffin, c'est où? Usine. Technologie, usine. Allez. Construire sa deuxième usine et vous allez vous allez prendre un petit 49-3 là. Ouais. Ah oui, recherche. Tout, hein. Allez hop. Pourquoi je peux pas faire de rotation d'urgence? Oh, ressources manquantes de ration. Ah, ça coûte des rations. C'est le serpent qui se mord à la queue, là c'est la merde. Ah bah du coup, j'ai fait ça pour rien. Hein. Vas-y. Oh là là. Quatre jours. Ah, ça va. Niveau ration. Oh là là. Ok. Ok, bah du coup, on va même démanteler ce truc-là. Allez, je fais ça pour rien, tant pis. Hop. Recherche terminée. Isolation des bâtiments de santé. En avant. Oh, c'est bon. Et large. Bon, du coup, on a pu aider la Nouvelle Manchester, on a pu accomplir tout ce qu'il fallait, réserve prête. Nous avons suffisamment de provisions pour survivre à la tempête. Nous n'avons plus à nous soucier de rien d'autre. Ah, d'accord. Et là, c'est la fin de la game. Ok. Mauvais en politique. Succès déverrouillé. Mauvais en politique, vous le voyez peut-être pas, mais... D'accord.
Oh, j'ai une politique vachement bonne en vrai, hein. Bref, nous avons fait de notre mieux. Allez, je vous laisse profiter tranquillement de la fin. Et ça sera tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et à plus!